Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Spider-Man 2, évidemment. Et on retrouve Miles Morales, comme d'habitude, 4K 60 FPS. Mettez-vous bien et on est parti pour la suite de notre folle aventure. Et on n'oublie pas le j'aime et le commentaire, vous savez que ça fait toujours plaisir. Évidemment, une question de choix. Contrôler le toit de la planque. C'est l'occasion de tester la technologie de Hera que Gamki a améliorée. Ok. J'ai déjà essayé quelques fois, n'est-ce pas? Bon, des petites griffures ici. Des griffures. Bien. Aucun signe d'elle? J'ai trouvé des griffures avec des traces de métal. Je vais essayer de voir si ça correspond à ces griffes. Waouh. Calme-toi, Miles. Qu'est-ce qui se passe? Voyons ça de plus près. Ah, il faut juste que j'isole les composants moléculaires des copeaux que j'ai trouvés. Je n'ai rien... Attendez, quoi? Détruire un atome? Vous avez détruit un atome essentiel. La structure de la moquille est désormais instable. Ok. Ok. J'ai compris. Et donc... Ok, j'ai compris. Par conséquent, il faut détruire ça. Et détruire ça. Très bien. Du titane. Et quoi d'autre? Ok... Je dirais qu'il faut détruire ça, peut-être. Non... Très bien, alors ça. Ça. Et donc ça. Du cobalt. C'est bien, on avance. Ok, mais ok. Qui a dit qu'on s'ennuyait avec la science? Plus en plus, les gars. Toujours. Oh, waouh! Ouais. Ça, c'est fait. Ça c'est fait. Du tungstène, ça colle. Ok. Gagné. C'est elle. Des traces provenant de ses semelles. Elle a dû se débattre. Ok. Elle a voulu prendre quelque chose dans. Genre là ils l'ont déjà kidnappé la sœur. Ça ressemble à un genre de cache d'urgence. Mais elle est vide. Ça doit être derrière ça. Ok. Ah oui. Il y a eu quelques flèches. Les chasseurs. Ça devrait suffire pour reconstituer la scène. Ils l'ont attaquée. Mais elle a pu s'enfuir. Ils sont déjà à ses trousses. C'est exactement pour ça qu'il faut mettre la ville en garde contre les chasseurs. Elle aurait pu... Tiens-moi au courant. Oh, wow. C'est obligé, c'est elle. On est passé super vite de l'avertissement amical à la mission de sauvetage. Pourvu que j'arrive pas trop tard. Felicia a de la ressource, mais quand je vois de quoi les chasseurs sont capables, ça ne me rassure pas. Tu t'inquiètes pour l'ex de ton petit copain? Quelle compassion! Ok. Bon, les amis, il y a embrouille, vous l'aurez compris. L'ex de Peter Parker est dans une sauce. Ils sont déjà partis, putain, trop rapide. Évité de peu, on dirait. Est-ce que tu sais où ils sont partis? Je vais scanner la zone pour voir. Tous trop vifs ici. Une nouvelle cache. Mais celle-là est encore verrouillée. Elle a risqué sa vie pour tenter d'y accéder. Il faut que je l'ouvre, mais le courant a été coupé. Ok. Très bien. C'est la ligne électrique qui a été coupée. La panne vient de là. Oh. C'est mignon. Ok. Très bien, encore un nouveau truc ici. Il doit y en avoir d'autres. Putain, c'est pas possible, les gars, oh. Et un nœud rétabli. Ok.
Attends, c'est quoi ce merdier? Il y a combien de trucs, les gars? Très bien. C'est bon? Il paraît que ce générateur a un rapport avec la cache. Bon, allez. Je suppose que maintenant, il va falloir que, évidemment, je relis tout ce joli monde. Très bien. C'était évident. Faut que je commence par celui-ci. Non? Pour okay. La retrouver, faut que je réactive ce générateur. Allez! Si je relis ma toile au générateur, je pourrais ouvrir la cache. Ça devrait le faire. On y est presque. Ok. Superbe! Let's go! Ça a marché. C'est un merdier, hein, les amis. Hein. Bingo! Paris. Paris. MG, do you speak French? Not very, very well. Mais vas-y, envoie. Ok. On dirait que c'est un mode d'emploi pour le sceptre de Watoum. Watoum? Bouge pas, je vais faire une recherche. Les chasseurs. Je sais pas où ils vont, mais je dois les suivre. Alors, d'après une traduction de l'arcane mystique, c'est un sceptre antique. Du genre vraiment antique. D'après la légende, son propriétaire peut ouvrir des portails vers n'importe quel endroit. Genre par magie? Qui sait ce que Black Cat ferait d'un tel objet? J'ai deux ou trois idées qui me viennent. Miles, on ne s'écarte pas du plan. On est en position. Elle est piégée. Oh, la maison de Docteur Strange! Elle est à l'intérieur, c'est sûr. Neutralisons ces chasseurs. Je sais pas à quoi sert ce sceptre, mais c'est éblouissant. C'est trop stylé. Ok. C'est trop stylé. Oh là là. Black Cat fait de la magie là-dedans. Soit je suis en train de manquer une sacrée rêve. Ok. Pas d'autre lui, peut-être. Prêt. Comment on va faire? Comme ça. J'ai entendu dire qu'il se passe des trucs vraiment trop bizarres dans ce bâtiment. On dirait que la rumeur était vraie. Ok. Quoi? Très bien. Très bien. J'ai déconné, je me suis trompé de touche, les amis. J'ai appuyé sur triangle au lieu de carré. Ça, c'est connerie, ça peut coûter très cher. Bon. Ça recommence. Ok. Je voulais une sieste. La voilà. Très bien. Lui, je peux les garder au calme normalement. Superbe. Ok. Il y avait lui aussi à faire un tout au bout. Et là, on va tranquillement prendre le temps. C'est trop stylé ce nouveau système.
Tu fais toi-même ton propre décor. Attends, parce que lui, on me dit que c'est sûr, mais il y a quand même lui, hein. Très bien. Fais dodo. Fais dodo. Très bien. Je crois qu'il y avait une sorte de... robot, non? Je me demande bien ce que ça peut vouloir dire, cette carte postale. Ma raison d'être, le temps presse. Un nouvel amoureux? Avec Felicia, on ne sait jamais. Très bien. Incroyable, hein. Incroyable, hein. Et en plus, grâce à moi, il profite d'une putain de belle vue. Et ça, j'ai envie de vous dire, ça n'a pas de prix. Par quoi ils ont été... Ok, lui, c'est sûr. Très bien. Merci de ta coopération. Trois malins. Suivez l'étoile. Très très bien. C'est pour ton bien. Très très bien. Je sais pas ce qui se passe là-dedans, mais ça a l'air mystique de ouf. Je kiffe. Un dernier. Les amis, on a trop bien géré. On a trop bien géré. Il en reste un. Les amis, il en reste un. Et il est là, je l'avais même pas vu, le frère. Je l'avais même pas vu. Gros superbe. Je crois qu'il y en a pas d'autres. Bon, allons voir ce que fabrique Felicia. C'est nouveau, ça. La petite araignée veut jouer, on dirait. Kenji, elle a volé le sceptre. Ok. C'est de la véritable magie. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, elle a de la magie à la Doctor Strange. Lâche-moi, sinon je te téléporte dans l'océan Pacifique. Non mais tout accès à ce canal. Vous utilisez tout, je pense. Et toi, t'as rien mieux à faire, franchement. Felicia, arrête ça tout de suite. C'est trop risqué, même pour toi. C'est qui? Oh, c'est toi, Rookin. Oh, c'est trop stylé. Comment ça va avec la vieille araignée? Oh, c'est trop stylé. Oh là là. Oh là là, voilà à quoi sert le SSD, les amis, de la PlayStation 5. J'ai pas besoin d'aide, ni de toi, ni de l'autre araignée. Tu sais ce que tu peux faire avec ce sceptre? On va juste s'en servir pour voler d'autres œuvres d'art. Oh, vexant. Je vous entends, les copains. Wow! Oh, rien, non mais... Felicia, t'aurais pu blesser des gens! Oh là là, c'est trop stylé. Fais gaffe, les chasseurs reviennent! Oh, ils doivent vraiment m'apprécier. Oh non, j'ai tout gâché. Ce soir. Je peux arrêter le type qui essaie de te tuer. T'as qu'à voler ton propre artefact magique. Ok... Oh là! J'ai pas d'écharpe sur moi. Oh, c'est tellement stylé. Attends, si j'ouvre la... Ok, on sait pas trop où on est. Ce cèpe peut nous conduire à Kraven. Ça n'a rien à voir avec Kraven. Ah.
m'aides pas à arrêter ce type. Tu es Spider-Man. T'as déjà sauvé cette ville, tu peux recommencer. Spider-Man avait raison. Tu ne t'intéresses qu'à toi-même. Écoute, mon grand. C'est pas vraiment tes affaires. Mais ma copine est à Paris. Et à cause de moi, des gens lui veulent du mal. Tu as déjà agi par amour? C'est maintenant qu'elle a besoin de moi, tu comprends? Si seulement j'arrivais à faire plus de 3 mètres avec ce truc. MJ m'a dit de ne pas te faire confiance. Elle est plutôt maligne. Mais je t'invite à faire tes propres choix. Ok. Félix, allez. Prenez-la vivante. Elle est à moi. Reste pas là. Portail par ici. Le mode d'emploi de cet artefact n'était franchement pas bon. On dirait bien que tu t'améliores. Oui, mais pas assez. On va réussir à s'en sortir. Ensemble. Alors, tu vois, tu manques pas de culot, gamin. Spider-Man, je suis plus un gamin. Merci. Ok. Waouh. Fais voir ce que tu sais faire. Contre lui qui est. Derrière toi. Ça doit faire mal. Ok. Surprise. Truc de ouf. En voilà d'autres. Sur le toit. Hé hey, utilise ce portail. Arrachez-lui le cèpe. Oh la vache, c'est trop stylé par contre. Ça va ce que ça va, mais c'est sympa de venir m'aider. Ouais, ça me change les idées. Reprends. Par ici. Elle est partout. J'arrive pas à la voir. Ok, tiens, prends une petite table en bois. Et ça, ça dégage aussi. Ok. Je connais, t'inquiète encore pas, Bibi. Encore un portail pour toi. Ok, j'accepte toute l'aide qu'on me propose. Tu connais un sort contre les balles? Ta étoile. Fais la tourelle, détruis-la. Ok. Hé, hey, Spider-Man, tu crois qu'ils viennent voir le pavillon des Otari? Oh, je veux pas rater ça. Est-ce que vous savez qu'une Otari pouvait nager à 40 km/h? Concentre-toi, il y a des chasseurs. Là. Kraven doit vraiment tenir à toi. Je suis pas libre. Ils essaient vraiment de nous avoir à l'usure. Si c'est moi qui vole, ils devront me tuer. On va éviter d'en arriver là. D'accord. T'as peur des chiens? Aïe. Je suis plutôt team chat. Et puis c'est pas des chiens. Ils mentent comme des chiens. C'est pire. Attention au portail. Ok, ça c'est fait. Bon, la prochaine de concentration, les amis, ce sera pour la live. Je m'en fais celui-là. Tu fais pas les choses à moitié. Allez, et ça sera très très bien comme ça. Aïe! Attends, ils abattent tous les gars. J'en suis peut-être à ma dernière vie. C'est bien, frère. Non, on va t'envoyer à Paris. Ta copine a besoin de toi. T'es vraiment un Spider-Man, toi. Vive à côté. Ah, c'était chaud. Fouf, bon, c'était pas facile. C'était pas facile. On est reparti, les amis. On l'a refait. Oh waouh. On était donc à ce passage-là. Ok, j'accepte toute l'aide qu'on me propose. Tu connais un sort contre les balles? Très bien. Vise la tourelle, détruis-la. Bon, deuxième mort, les amis. Toute série d'épisodes, 9 épisodes, donc. Tu crois qu'ils viennent voir le pavillon des Otari? Plutôt raisonnable jusque-là. Je veux pas rater ça. Et tu savais qu'une Otari pouvait nager à 40 km/h? Concentre-toi, il y a des chasseurs. Là. Ok. Kraven doit vraiment tenir à toi. Je suis pas libre. C'est pas vrai, mais t'es trop fort. Ils
cessez vraiment de nous avoir à l'usure. Si c'est moi qui vole, ils devront me tuer. On va éviter d'en arriver là, d'accord? T'as peur des chiens? Ok. Plutôt des chats. Et puis c'est pas des chiens. Ils mangent comme des chiens. C'est pire. Attention au portail. Oh là là. Aïe. À couvert. Derrière toi. Ok. T'es où? Ils abattent toutes leurs cartes. J'en suis peut-être à ma dernière vie. Non. Oh là là. On va t'envoyer à Paris. Ta copine a besoin de toi. T'es vraiment un Spider-Man, toi. Ok. L'autre qui me casse les couilles. Terminé. Ferme ta gueule, toi. Mais c'est pas vrai. Oh là là, mais je suis une salope. Trop fort, trop trop chaud. Waouh. Allez, on enchaîne, deux morts d'affilée. Waouh. C'est quoi ça? C'est bien, ça fait du challenge, hein, mais quand même, hein. Encore un portail pour toi. Ok, j'accepte toute tête qu'on propose. Tu connais un sort contre les balles? C'est les clébards, hein, moi, qui me casse au plus les couilles, les gars, qui m'empêche d'utiliser ce que j'ai envie. Ok. Hey, Spider-Man, tu crois qu'ils viennent voir le pavillon des otaries? Oh, je veux pas rater ça. Est-ce que tu savais qu'une otarie pouvait nager à 40 km/h? Concentre-toi, il y a des chasseurs. Plein. Raven doit vraiment tenir à toi. Je suis pas libre. Protégez l'araignée de lui venir en aide. C'est bien. Ils essaient vraiment de nous avoir à l'usure. Si c'est moi qui vole, ils devront me tuer. On va éviter d'en arriver là, d'accord? T'as peur des chiens? Plutôt team chat. Et puis c'est pas des chiens. Ils mangent comme des chiens. C'est pire. Baissez-vous. Joli tir. Allez, ça, ça dégage. Et ça, ça dégage. Fouh, j'ai trop bien géré là. Non, on va t'envoyer à Paris. Oh, j'ai trop trop bien géré. T'es vraiment un Spider-Man, toi. Derrière toi. Truc de où? Ok. Là, je suis on fire, hein. Là, je sais pas ce qui m'arrive, mais allez, ça dégage. Allez. Waouh. C'était chaud. Tiens. Concentre-toi. Visualise la tour Eiffel. Félicia. Merci beaucoup. Montre-moi Lee. Félicia. Pour l'instant, elle est en sécurité. T'as fini ton histoire? Je viens de l'envoyer à Jonah. Pas de ma bonne chance. Tu vas y arriver. J'avais oublié qu'on pouvait faire ça directement, c'est incroyable, les gars. Putain de merde, ce jeu. Hein? Pourquoi? Tu sais que Mysterio vient de sortir de prison. Eh ben, il vient d'ouvrir une nouvelle attraction là-bas. Il pourrait être la prochaine cible des chasseurs. Bien vu. Et devine qui d'autre est à Connie ce soir? Indice, ça doit faire un an que t'en passes pour elle.
Mec, sérieux ! Arrête, me dis pas mec. Toi et Ellie... Je te rappelle vite. Je commence à choper le truc. Ok. Très bien, ça s'est géré. Je pourrais tirer ce tuyau vers le haut. Mais pour ça, il faut que je sois vers le haut. Ok. Trop bien. C'est bien. Oh, wow. Très bien. Allez, ça c'est fait. Bel épisode, ça, hein. Bel épisode, hein. Ok, c'est récupéré. Je vois que t'as trouvé ma planque dans l'ancienne station de radio. Je me demandais où j'étais. À l'époque, cette station, c'était le point de rendez-vous de tous les gamins qui voulaient percer dans le hip-hop. Vous êtes passé à la radio, papa et toi ? Non, mais on a failli. Ils ont remplacé au dernier moment par un autre groupe de Staten Island. Si tu les veux, j'ai encore les sons. New York n'est pas prête pour une collab entre Spidey et le Rôdeur. Fais gaffe à toi, petit gars. J'espère que tonton se remettra à la musique. Ce serait bien pour lui changer les idées. Ils vont vraiment marquer quelqu'un au fer ? Je te déconseille de refuser. La flamme serait déçue. Ne veux-tu pas être digne d'elle ? Ok. On va juste partir. Pitié. C'est une erreur. Allez, ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Suivant. Ah, ça, c'est de la petite secte, ça. Oh, waouh, lui, il est balèze. Très très malaise. Wesh, c'est un resto ça les gars. Je crois que j'ai rien de cassé, seulement je... Allez, on va l'emmener à l'hôpital les amis. Pas loin d'ici. On va l'emmener à l'hôpital et on aura très très bien fini. Je pense, vous l'aurez compris, cet épisode. En tout cas, très stylé. J'ai vraiment cru pendant un moment qu'on allait voir Doctor Strange. J'étais à deux doigts de péter un câble. Mais malheureusement, étant donné que ça n'appartient pas à Sony, bon, bah on y voit sa demeure, hein, pour que ça soit canon avec les Avengers et tutti quanti. Mais, pas de Doctor Strange à l'horizon. Et bon, j'en suis attristé. Vous l'aurez compris, évidemment. Allez, tenez. J'espère que le trajet n'a pas été trop brusque. Bon courage. T'es un véritable héros. Ouais, je sais, ouais. Merci. Allez, ferme-la. Ok, les amis, il y a là-haut une petite pierre à se faire. Donc on va évidemment se faire. C'est bon. Alors, comme je disais... Bon, attendez, il y a Krim. Krim plus pierre. Wesh. Je dois récupérer ce cristal. Ok. Il se passe autre chose, là. En fait, les gars... Oh, wow. Je crois qu'il y a eu un crime au truc des sables. La confiance. Allez, ça dégage. Eh ben, on voit encore les gangsters. Voyons ce que ça donne. Ils ont réussi à me piéger, ma fille. J'aurais dû rester à la maison avec toi, Kimia. Je t'aurais aidé à faire tes devoirs.
Et je t'aurais préparé le seul plat que je sais cuisiner. Il est trop tard maintenant. Marco s'est jeté dans la gueule du loup. Mais au fait... Attends, Kimia et sa fille? J'en avais aucune idée. Tanky, c'est bon. Alors, comme je disais, il pourrait être la prochaine cible des chasseurs. Bien vu! Et devine qui d'autre est inconnu ce soir? Indice, ça doit faire un an que t'en passes pour elle. Mec, sérieux? Arrête, me dis pas mec. Toi et Ellie, vous êtes faits l'un pour l'autre. Si tu t'entends rien avec elle, tu enfreins les lois de la nature. On verra. D'abord, on va s'occuper de Mysterio. Bon. Je viens d'aller voir Marco. Son état s'améliore. On le comprend de mieux en mieux. Ah, et il a même retrouvé l'appétit. Les docteurs sont optimistes. Bien joué. Les amis, on va s'arrêter là, on a beaucoup de choses à faire. Lors du prochain épisode, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. A bientôt tout le monde pour la suite de notre aventure. Bisous tout le monde! Bye bye.